Hello everyone, welcome to church today. Happy Thanksgiving Sunday. Allô tout le monde, bienvenue à l'église aujourd'hui. Joyeux dimanche d'Action de Grâce. If you have some prayer requests, please put them in the white box that is situated beside the back entrance. Please put all your prayer requests anonymously so that it will remain anonymous. Si vous avez des requêtes de prière, s'il vous plaît, les mettre dans la boîte blanche située à côté de la porte derrière. Si vous voulez que vos requêtes de prière demeurent anonymes, s'il vous plaît, mettez-les à l'anonymat. Thank you for listening to CNN. It was with you, Nessa Kijelaborn. Have a blessed week. Merci d'avoir écouté CNN. C'était avec vous, Nessa Kijelaborn. Passez une semaine. Amen. Praise the Lord. Let's listen to the following additional announcement. Il y a des annonces supplémentaires. Our fasting and prayer for the month of 2020 starts today. Notre programme de jeûne et prière pour le mois de novembre commence aujourd'hui. And you know, some people say, oh, it's on the 3rd or it's on the 4th. Certains disaient c'est le 1er ou le 3. For those of us that have been waiting on the Lord since October, it doesn't make any difference. Pour ceux qui espéraient à l'éternel depuis le mois d'octobre, il n'y a pas de difference. So if you are taking your breakfast, it's okay, but you can start from tomorrow. Donc si vous avez déjà pris votre petit déjeuner, c'est correct, vous pouvez commencer demain. And you see the number, there's a prayer line every day. Donc vous voyez, il y a le numéro sur l'écran chaque jour. 6 to 7. De 18h à 19h. There will be people on that line leading prayer. Il y aura des gens qui vont diriger dans la prière. I am going to lead the one for tonight. Et c'est moi qui vais diriger pour ce soir. Because God is about to do a great thing in the month of 2021. Parce que Dieu est sur le point de faire des grandes choses pour la nouvelle année. And we are going to partake of it. Amen. On va part dans ces choses. So, you know, as we have talked about physical preparation, comme nous avons parlé de préparatifs, we also have to do spiritual preparation. Nous devons nous préparer spirituellement. A bird does not fly with one wing. Un oiseau ne vole pas avec un seul. Have you seen a bird that is flying with one wing? Avez-vous déjà vu un oiseau qui vole juste avec un seul aile? I've not seen it. Moi, je ne l'ai jamais vu. So if you have not seen it, si vous l'avez jamais vu, the part of it. Non, je n'ai pas. Please, the fasting is from midnight to 6 p.m. Dans le jeûne de prière, c'est à partir de minuit jusqu'à 18h. There is option of those who that can do dry fasting. Il y a la possibilité pour ceux qui veulent faire le jeûne. Which means you finish everything in 15 days. Vous finissez du tout? 15 days. Or is it 8? Dans 15 jours. 15 days. Dans 15 jours. But please, if you want to do it, alors si vous voulez le faire, drink water. S'il vous plaît, a lot of water. So that you don't get dehydrated. Pour que vous ne soyez pas déshydraté. So if you want to do it, you can talk to me. Et si vous voulez le faire, veuillez continuer par le pasteur. But to be on the same side, please just break every meal. Alors pour être du même côté, vous allez manger après. I want every one of us to try to be part of this. Alors je voudrais que tout le monde participe à ce projet. If you are the type that when you wake up in the morning, your body is always shaking. You want to eat. Si vous êtes le type de personne quand vous réveillez le matin, votre corps tremble déjà parce que vous voulez manger. You can eat. 12 o'clock. Vous pouvez peut-être manger. Delay the body to shake till 12 o'clock. Permettez, restez au même jeûner jusqu'à midi. Talk to your stomach 12 o'clock. We will take food. Dites à votre estomac qu'à midi nous allons. If you are pregnant, you can try 9 o'clock. Si vous êtes enceinte, vous pouvez jeûner jusqu'à 9h. And there's also 3 p.m., 6 p.m. Il y a aussi la possibilité de manger à 15h ou à 18h. Brethren, we have had a lot of word in the second half of this year. Bien-aimés, nous avons écouté beaucoup de paroles dans cette deuxième moitié de l'année. And those words are true. Et ces paroles-là sont. And they will come to pass. Et ils vont s'accomplir. You know, in the month of October, we said God will do a new thing. Et au mois d'octobre, on a dit que Dieu ferait une nouvelle chose. Sorry, that was September. In October, we said. Le mois de septembre. That was last month. We said higher vision. Et le mois passé, nous avons parlé d'une vision. And we said if you have a higher vision, it's only God that can take you there. Et donc on a vu que si vous avez une vision supérieure, il n'y a que Dieu qui peut vous y amener. And that's why the spiritual exercise is important. C'est pourquoi l'exercice spirituel est très important. And this month, we are talking about flying on eagle's wings. Et ce mois, nous allons parler de voler sur les ailes de l'aigle. Which means for you to get there, you can either get there at your prime age. Alors, si vous devez y arriver, vous pouvez arriver même au sommet de retire, votre âge. Or you retire getting there. Ou bien vous allez aller même à la retraite pour y arriver. I want to get there in my prime age. Mais moi, je vais arriver là-bas dans mon âge, le jeune âge. So that if the Lord give me a jeep,
pour que si le Seigneur me donnait une vie, I have enough energy to climb into it. J'aurais assez d'énergie pour monter. Praise the Lord. Amen. So we're going to be looking at different types of movement. Alors nous allons parler des différents types de mouvements. And we're going to see the one that we want to select. Et nous allons voir lesquels que nous voulons so please, prendre. Be part of the spiritual exercise. Alors, s'il vous plaît, prenez part dans cet exercice spirituel. Call into that number. Appelez à ce numéro. People will be leading prayers both in English and in French. Il y aura des gens qui vont utiliser la prière soit en anglais ou en français. Amen. Amen. Baptismal class. We want to do our baptismal class. We've not been able to do it because of the shutdown and the half shutdown of the pandemic and all the instructions. On n'était pas en mesure de le faire à cause de COVID, le confinement. So we want to start the lessons again. Mais nous voulons reprendre les leçons. And so if you are interested, alors, si vous êtes intéressé, just give your name and email address to that gentleman, the usher that is at that side. Contactez le monsieur qui est à côté là. If you are in the second service. Numéro. So that you can receive, it's going to be online. Ça sera un programme. So that you can receive a Zoom invite. Alors vous serez invité when we are about to start. Et quand nous allons commencer. We have about 18 lessons. Il y a environ 18 leçons. But these are lessons that will build your foundation. Et ce sont des leçons qui vont bâtir. So if you have not done that foundational class, you can also join that class. Donc, si vous n'avez jamais fait cette classe-là, vous pouvez aussi participer. Amen. 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 Turn to your neighbor, say congratulations for this new month. Dites à votre voisin, félicitations pour ce nouveau mois. Félicitations pour ce nouveau mois. Today is 1st of November, correct? Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, n'est-ce pas? And by the grace of God, there's a special guest in the church. Et par la grâce de Dieu, il y a un invité spécial. He's already hiding right there. Il me regarde déjà. So he has brought his parents to church. Alors, l'invité a amené ses parents à l'église. He brought the mother to church. Il a amené sa mère à l'église. So we want to give glory to God also. Alors, nous voulons rendre gloire à Dieu. For the wonders of Jehovah. Pour le merveille. And during this pandemic, pendant cette période, our women are also giving back. Nos femmes continuent à accoucher. And there's no glory to it. Et il n'y a pas de complications. Give glory to God. Alors nous rendons gloire à Dieu pour ça. So that's why Michael is here today. C'est pourquoi aujourd'hui Michael est ici. Brought the mother and the grandmother. Il a amené la mère et sa femme. Amen. Mommy, you are welcome back. Amen. Don't worry, you may not recognize her because of the mask. She's still the same person. C'est la même personne. Peut-être vous ne la reconnaissez pas à cause du masque, mais c'est la même personne. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Brethren, I just want to also say something. Bien-aimé, je voulais dire aussi quelque chose. As we have already announced that we are going to be moving to a new building in a new year. Comme nous avons déjà annoncé que nous allons déménager l'année prochaine. And all plans, all things are going behind the scenes. Et tout se passe. If you are a professional, si vous êtes un professionnel, you know anything about building maintenance or building or anything you can do, vous avez de l'expérience dans les domaines de la construction, it will also help us. Tout ce que vous pouvez faire, ça nous aide. Amen. Amen. Most importantly, I want us to be giving towards the building. Et aussi, je vous invite à contribuer. In our envelope, you see a place for building. Sur l'enveloppe, il y a la mention. Just stick it. Building, vous pouvez. Even if it's $1. Même si c'est $1, maybe it's $2, même $2. We still have between now and April 1st. Nous avons encore le temps aujourd'hui jusqu'à avril. No dollar is too small. Rien n'est trop petit. But brethren, as many as we give to that work, autant que nous donnons pour cette œuvre, you will see the difference in your life. Vous verrez de la différence dans votre vie. I say you will see the difference in your life. Vous verrez de la différence dans you votre vie. See the difference in your career. Vous verrez de la différence dans votre carrière et dans vos affaires. Amen. Amen. Now we want to celebrate some very important people. Alors nous allons célébrer certaines personnes très importantes. These people were born in the month of November. Ce sont les personnes qui sont nées en ce mois de novembre. Which means several years ago. C'est-à-dire il y a plusieurs années. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Decided to have a meeting. Ils ont décidé de. And said, I am going to bless a family. Dis non, je veux bénir une famille. And he chose me. Eh? Praise the Lord. You were surprised. He chose me. Il m'a choisi. Because Rebecca was born in the month of November. Rebecca est née en ce mois de novembre. He sent Rebecca to come and bless me. Il a envoyé Rebecca pour venir. It was a joyous day the way it was born. C'était un jour plein de joie. And everybody that was born in the month of November. Et tout le monde qui est né en ce mois de novembre. Amen. So we want to celebrate. Alors nous allons célébrer ces personnes. Amen. Amen. So as I call your name, alors pendant que je vais, Brother Samuel Mingu.
Brother Patrick. Is Patrick in the church? Let's clap for Jesus. Nathaniel, our pastor. Where is he? He's running. He's running to the mother. Amen. I told him that he was going to be an athletist. He is an athlete. See the way he ran out of practice. Amen. Professor is not around. Sister Clotilde. Ta. She's not around. And Sister Rebecca. God bless you. If you don't know, I've been reminded of this birthday in my house for the 3 months. Si vous ne savez pas, on m'a fait, on m'a rappelé de cet anniversaire déjà depuis de 3 mois. In my house, we do birthday anniversary, first anniversary, second anniversary, before the birthday. Dans ma maison, on fait la première, on célèbre la première, deuxième, jusqu'avant troisième, c'est la journée d'anniversaire. Amen. On commence à les célébrer 3 mois. Let's pray for our people. We want to pray for them. Mais bon, nous allons prier pour eux. D'accord. Is there anybody that was born in November that is not here? Est-ce qu'il y a une personne qui est née dans le mois de novembre qui n'est pas présent? We found out people were in our books and they were not in our books this morning. Any other person? Ce matin, on a trouvé deux personnes qui n'étaient pas écrites. People were not born in the best month of the year. N'est pas né dans le mois de novembre. Wait until next month, I mean. Attendez, I want us to pray for them. Je veux que vous priez. That the Almighty God will keep them. Pour que Dieu tout puissant les garde. We will hold them with His might. Je vais les garder avec ses. That God knows the desires of their heart. Dieu connaît les désirs de leur cœur. We need to fulfill it in this new year. Je vais les accomplir. All their plans. Tous leurs projets. God will begin to make it to come to pass. Dieu va les faire accomplir. Let us pray in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Father, I just want to thank you for this virtue. I ask you that you will bless them. You will keep them. You will uphold them. Those ones that are children there, Father, please lift them high. Protect them. Surround them with your fire. Show them your mercy. Let the adults receive mercy. Father, guide them in the path that they will go. The resources that we need to fulfill for us. Father, please grant us to them. Let's begin to stand up for answered prayers. Let's stand up for answered prayers. In Jesus' mighty name we are praying. Almighty and everlasting God, we want to thank you. Because you are a good God. And you are beautiful for every situation. Father, I commit your children to thy throne of grace. Be beautiful for every of their situation in the mighty name of Jesus. Father, you have a purpose for them the day you brought them into the world. Father, let that purpose be fulfilled in the mighty name of Jesus. As they are starting a new year, Father, we ask you, God. Show them your mercy in the name of Jesus. Let them receive mercy in the name of Jesus. The children that are among them, O Lord. Anywhere they go, you will go with them in the name of Jesus. Anywhere you will not go with them, Father, do not allow them to go in the name of Jesus. Father, show yourself mighty upon them. Bless them, O Lord. In Jesus' mighty name we are praying. Let me hear better. Amen. Let's clap for Jesus. Amen. There's no cake because of the rules. But just as I said in the morning, comme je l'ai dit le matin, when everything is over, lorsque tout sera fini, why don't we have a cake every Sunday? Nous aurons les gâteaux chaque dimanche. Some people that think they have escaped bringing cake now. Pour les gens qui disent que non, nous n'avons pas amené des gâteaux. Your name is in my book, eh? Votre nom est sur la liste. So we'll just be giving you allocation. Non, nous allons juste vous dire pour votre jour d'amener les gâteaux. We must celebrate. Amen. Amen. Let me hear better. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So we have to celebrate. Donc nous devons célébrer. Tell your neighbor we have to celebrate. Et à votre voisin, nous devons célébrer. Amen. Amen. Can someone get my wife, please? While we are waiting for her, pendant qu'on attend, there's some people that are already put down their name to give testimonies. Il y a des gens qui ont donné leur nom pour des témoignages. Before then, I think I'll just take the message. Amen. Avant cela, je vais donner le message. Praise the Lord. Gloire au Seigneur.
Brethren, we've been hearing a lot of words. Bien-aimés, nous avons écouté beaucoup from this altar, à partir de l'hôtel, especially in the second half of this year, particulièrement dans cette deuxième moitié de cette from année, July down to this present time, de juillet jusqu'à ce jour. Brethren, I don't want you to take it lightly. Alors bien-aimés, j'aimerais pas que vous le preniez à la légère. Because it has changed my own life. Parce que cela a changé ma propre vie. If you take it lightly, si vous le prenez à la légère, what God wants to do during this period, ce que Dieu veut faire pendant cette période, you might miss it. Vous pourrez le manquer. And that's why it's online on our website. C'est pourquoi tous les messages sont en ligne sur notre site web. I just want you to go and revise it again. Vous pouvez y aller et vous. Not only just revise, take an action based on what you are hearing. Non seulement suivre le message, mais agir aussi en conséquence. Because as a church, we are taking an action. En tant qu'église, nous agissons. As a family, I expect you to take action. En tant que famille, je m'attends à ce que vous vous agissiez. So that as the church begins to grow, pour que pendant que l'église grandit, you will not be left behind. Vous n'allez pas manquer. You know, we talked about high vision last month. Le mois passé, nous avons parlé d'une vision supérieure. I want you to believe that you already resharpened your vision for the future. Je crois que vous formez déjà votre vision. I want to believe that you have not limited yourself to your experience and your imagination. Je crois que vous ne limitez pas vous-même en ce qui concerne votre expérience. I want to believe that you have trusted God to take you to the fruition of your vision. Je crois que vous croyez en Dieu pour qu'il vous amène à l'accomplissement de votre vision. But there was a new thing that we want to talk about this month. Mais il y a une nouvelle chose dont nous allons God was telling me just over the weekend that it is possible for a child of God not to have any wars, any battle. Dieu me disait pendant cette fin de semaine qu'il est possible pour un enfant de Dieu de ne pas avoir de combat. If you are here last month, I said every time we solve problem, we are not moving forward. Si vous étiez ici le mois passé, j'ai dit chaque fois que nous passons le temps à résoudre des problèmes, nous n'allons pas avancer. Every time you solve problem, you are not moving forward. Chaque fois que nous passons le temps à résoudre les problèmes, nous n'avançons pas. And that's why I don't solve problems. C'est pourquoi moi je ne cherche pas à résoudre des problèmes. I move forward. Moi j'avance. We said that character is deliberate. Et nous avons vu que le caractère est délibéré. So today, aujourd'hui, this month, ce mois, we want to talk about on eagle's wings. Nous allons parler sur les ailes de l'aigle. Because God was telling me that it's possible. Parce que Dieu me disait qu'il est possible to be above problems and circumstances. D'être au-dessus des problèmes et des circonstances. That they don't touch us. Qui ne nous touche pas. And I said, God, I need examples. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin d'un exemple. He gave me the example of Solomon. Il m'a donné l'exemple de Salomon. You know, Solomon was the only king in Israel. Vous savez, Salomon est le seul roi. He ruled for 40 years. Il a régné pendant 40 ans. Not a single war. Mais aucun combat, aucune guerre. Not a single problem. Aucun problème. So because there was no problem. Et parce qu'il n'y avait pas de problème. Oh, he grew very. He became great. Il est devenu grand. Il a bien prospéré. Because every time you solve problem. Parce que chaque fois que vous passez à résoudre un problème, you can't be great. Vous ne deviendrez jamais grand. And that's what we're going to focus on this month. C'est pourquoi, c'est sûr, c'est pas là que nous allons nous concentrer. But place. You must remember your higher vision. Mais vous devez toujours vous rappeler votre. If you don't have your higher vision, si vous n'avez pas de vision supérieure, this month is not going to be useful to you. Alors ce mois ne vous sera pas utile. Because your vision, if it is small, parce que si votre vision est petite, you don't expect problem. Vous n'allez pas vous attendre. People with small vision. Les gens avec des petites visions, you are comfortable where you are. Vous êtes à l'aise là où vous êtes. So there's no problem. Donc il n'y a pas de problème. But if you want to have a higher vision, mais si vous voulez avoir une grande vision, you want to be great, vous voulez devenir grand, there are going to be challenges. Il y aura des défis. But today I'm telling you, mais aujourd'hui je vous dis, just yesterday night, juste hier, la nuit, God said it's possible. Le Seigneur dit, il est possible. It is possible. Il est possible. For a child of God, pour un enfant de Dieu, not to have any problem. De ne pas avoir de problème. Amen. Amen. How do I know that? Comment je le sais? Let's look at our text that we're going to use for this month. Regardons notre texte de ce mois. Isaiah chapter 40. Isaïe 40. I'll read verse 1 and 2. Versets 1 et 2. It's a prophecy by Isaiah. C'est une prophétie Jérusalem, to Jerusalem. Contre Jérusalem. And you can appropriate it to yourself. Et vous pouvez vous en approprier. I have appropriated it to chapel. Moi, je l'ai approprié pour l'église. That et vous pouvez vous brancher à cette prophétie. He said, comfort, yes, comfort my people, says your God. Verse 2. Speak comfort to Jerusalem. I'm speaking comfort to chapel. And cry out to her that our warfare is ended. Is it in your Bible like that? Yes, dans votre Bible aussi comme ça. Somebody's warfare is ended. Dans la servitude de quelqu'un. I can't hear you very well. Amen. I can't hear you. Amen. Your bad dream has ended. Amen.
He said, tell Jerusalem, comfort Jerusalem that our warfare is ended, that our iniquity is pardoned, for she has received from the Lord hand double for all our sins. Amen. Amen. So when I read this scripture, alors quand j'ai lu ce passage, I was excited. J'étais excité. And so when our sins have been pardoned, quand nos péchés sont pardonnés, it is possible for problem to see. Il est possible que les problèmes finissent. For us to live a fulfilled life. Pour que nous puissions vivre dans mener une vie bien accomplie. Because of where God is taking us. À cause de là où Dieu nous amène. So if it is possible, alors s'il est possible, I don't know about you. Je ne sais pas pour vous. I want that life. Mais moi je veux cette vie là. Amen. Amen. How many of us want that life? Combien aime cette vie? Moi, je veux cette vie. Amen. Amen. So if you look at verse 28 to 31, si nous regardons le verset 28 to 31, ce qui nous amène à notre sujet de ce matin. From verse 28 to 31. 28 à 31. Have ye not known, have ye not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the heavens and the earth, neither faint nor is weary. His understanding is unsearchable. So if you think your husband doesn't understand you, si vous pensez que votre mari ne vous comprend pas, child doesn't understand you, et votre enfant ne vous comprend pas, or your parents doesn't understand you, vos parents ne vous comprennent pas, the Bible says that the understanding of God is unsearchable. La Bible nous dit qu'on peut sonder son intelligence. And that's why, as we wait on the Lord, alors pendant que nous espérons l'Éternel, as I said, some of us have started since October. Comme je l'ai dit, certains ont commencé. But as we join us to wait on the Lord, alors pendant que nous ensemble, and we pour our hearts unto Him, et nous déversons nos cœurs à lui, He understands every circumstance and situation. Il comprend toutes les circonstances et les situations. And He's ready to respond accordingly. Et il est prêt à réagir en conséquence. Verse 29. He gives power to the weak. Verset 29. And to those who have no might, he increases strength. So he gives power to the weak. Il donne la force à celui qui est faible. Don't focus on your weaknesses. Donnez-vous. Concentrez pas sur vos faiblesses. A lot of us focus on what we don't have. Beaucoup d'entre nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas. This month I'm going to be encouraging us to focus on what we have. Alors ce mois je vais vous encourager à vous concentrer sur ce que nous avons. When you focus on what you have, lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, then you will get what you don't have. Alors vous obtiendrez ce que vous n'avez pas. Because it is only God that strengthens our weaknesses. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut fortifier nos faiblesses. He gives power to the weak. Car il donne la force aux faibles. And to those that think they are weak. Et ceux qui pensent their strength. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ah, Father, will increase somebody's strength. Oh, Dieu va augmenter la force. Brethren, I want you to know that the world is in darkness. Bien aimé, sachez que le monde est dans les ténèbres. There are a lot of fear and anxiety. Il y a beaucoup de craintes et d'anxiété. A lot of people have graduated and they are not sure where they are going to work. Beaucoup de gens sont diplômés mais ne sont pas sûrs de. But God has not made you to be in that category. Mais Dieu n'a pas fait que vous demandez soyez dans cette catégorie là. We are going to thank Him. Alors nous allons le remercier. I say we are going to thank Him. Nous allons le remercier. Because He's the one that increases our strength. Parce qu'il est celui qui nous donne la force. Look at verse 30. Verset 30. He said, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Verse 31. For those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Brethren, in this scripture, we are going to look at seven types of movements. Bien aimé, à partir de ce passage, nous allons voir sept types de mouvements. And you're going to take a decision on the type of movement where you want to. Et vous allez prendre la décision, choisir lequel de mouvements qui whether you want to crawl. Si vous voulez ramper, you want to run, vous voulez courir, or you want to fly, ou vous voulez voler. But let me tell you, et laissez-moi vous dire, I prefer to fly. Moi, je préfère voler. I don't know about you. Je ne sais pas pour vous. Amen. Amen. Now my question, why do we need to thank God? Alors ma question, pourquoi avons-nous besoin de remercier Dieu? We need to thank God because in everything, nous devons remercier Dieu parce qu'en toute chose, nothing is hidden from Him. Rien n'est caché de lui. If you look at Acts of Apostles chapter 12 verse 15, si vous regardez Acte 12, 15, Acte 15, 18. Known unto God from eternity are how many of His works? All His works. Toutes ses œuvres. You can read it in French. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Known to God from eternity are all His works. Et connues toute l'éternité. I will give you a background of the scripture. Je vais essayer de vous donner le contexte. Because I want us to really thank God. Parce que nous allons vraiment remercier Dieu. In this scripture, dans ce passage,
It is really from the beginning, the Jews were the only ones that received Christ. Si vous lisez à partir du début, vous verrez que les Juifs sont les seuls qui ont reçu Christ quand il est arrivé. So when some of the Jews rejected Christ, quand certains des Juifs ont rejeté le Christ, the apostles were scattered and they preached to the Gentiles. Les apôtres étaient dispersés, sont allés prêcher. When the Gentiles came to the knowledge of Christ, et là, quand les gentils sont arrivés à la connaissance, they started debating among themselves whether to do circumcision, to do this or not do this. Alors il y avait un débat parmi eux, est-ce qu'il faut circoncire aussi les païens ou pas? So Peter. Alors Pierre a dit that God knew que Dieu savait from eternity, depuis l'éternité, that we are going to be Christians. Qu'il savait que nous serons des chrétiens. And that is why the salvation of our soul is very important, as we said in the Bible study. C'est pourquoi le salut de notre âme est très important, comme l'avons dit dans l'étude biblique. And that's why this morning we are going to appreciate Him for that. Pourquoi ce matin nous allons l'apprécier pour cela. There's a song the choir normally sing. Il y a un chant que la chorale chante d'habitude. He knows my name. Il connaît. He knows my name. Il connaît tout, toutes les pensées. We'll still sing it. I want the choir to sing. We're going to sing it. So we're going to thank God because He knows my name. Alors nous allons remercier Dieu parce qu'il connaît. He knows my future. Il connaît mon avenir. He knows the past. Il connaît le passé. And that is why every time we come into His presence, c'est pourquoi chaque fois que nous venons dans Sa présence, we should surrender our future to Him. Nous devons abandonner notre avenir. I've always told us. Alors je vous ai toujours dit. God does not use the future to the past to determine the future. Dieu ne détermine pas notre avenir en se basant sur le passé. As some men do. Comme certaines personnes le font. God takes a look at you. Dieu vous regarde. Look at what He has written concerning you. Regarde ce qu'il a écrit à votre sujet. And begins to bring it to come to pass. Et il commence maintenant à le planifier, à l'accomplir. Because He knows your name. Parce qu'il connaît. He knows the address of your house. Il connaît même votre adresse. He knows your thoughts. Il connaît vos pensées. And that's why from eternity He knows all things that concern all His works. Depuis l'éternité, il connaît tout ce qui concerne Son œuvre. And that's why this morning, c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire, Père, tu me connais. You know my family. Tu connais ma famille. I want to thank you. Et je vais te remercier. Thank you for the salvation of my soul. Merci pour le salut de mon âme. Thank you for the salvation of my life. Merci pour le salut de ma vie. Thank you for everything you are doing. Merci pour tout ce que tu fais. Because I know you do. Parce que je sais que tu feras plus. We want to rise up on our feet. Alors voulez-vous vous relever pendant que la chorale chante very doucement, that He knows my name. My name. You can talk to God. Father, you know my name. Père, tu connais mon nom. I want to thank you. Je te remercie. For what you have done for me in the past. Pour ce que tu as fait pour moi dans le passé. I want to thank you for what you are doing. Je te remercie pour ce que tu feras. I want to thank you for what you will yet do in the future. Je te remercie pour ce que tu feras encore dans l'avenir. I want to talk to God. Alors parlons à Dieu. I want to talk to God. Parlons à Dieu. Il y a un point de prière que nous avons fait ce matin. Nous allons dire Père. I can't hear you. Father. Père. I can't hear you. Father. Père. You know me. Tu me connais. You know my family. Tu connais ma famille. Every
anything that will take me away from you. Tout ce qui m'éloignera de toi. Father, please keep me away from me. Éloigne-moi de ces choses. Open your mouth and talk to your mouth. Ouvrez votre bouche et parlez à Dieu. Anything that will take me away from your tout presence. Tout ce qui va m'égarer de ta présence. Anything that will take my children away from tout your presence. Tout ce qui va égarer mes enfants de keep ta présence. Keep us away from me, O Lord. Garde-nous. Are you praying, brethren? Open your mouth and talk to God. Ouvrez votre bouche et parlez à Dieu. Is it problem? Est-ce donc sont des problèmes? Is it challenging? Est-ce sont des défis? Let me fly over it. Que je puisse voler any par-dessus. Mountain, toute montagne, any storm, toute tempête, that is waiting in the future, qui m'attend dans la future, that will take me away from your presence, me garer de ta présence. Father, let me fly over it. Que je puisse voler give me au-dessus. Let me fly over it. Donne-moi les ailes pour voler you par-dessus. Know my name. Tu connais mon nom. You know my past. Tu connais mon passé. You know my mistakes. Tu connais mes erreurs. Father, any storm that the enemy has placed in front of me, toute tempête que l'ennemi a placée dans la vie, Père, que je puisse voler, let me fly, que je puisse voler. Is it in my business? Est-ce que dans mes affaires? Is it in my career? Dans ma carrière? Is it in my marriage? Dans mon mariage? Give me wings to fly, oh my. Donne-moi des ailes pour voler. In the mighty name of Jesus. Oh non, puissant de Jésus. I can't hear you pray. Père, je vous entends parler. Open your mouth and talk to God. Ouvrez votre bouche et parlez. This is not a gentleman's prayer. Ça, ce n'est pas une prière of deliverance. Anything that the enemy has placed in my future, tout ce que l'ennemi a planifié dans ma vie, that is waiting to take me away from the presence of God, qui attend pour m'éloigner de la présence de Dieu. Father, lift me over it. Lève-moi au-dessus. Lift me over it. Lève-moi au-dessus. Lift me over it. Lève-moi au-dessus. Lift me over it. Lève-moi au-dessus, Seigneur. Lift me over it. Lève-moi, Seigneur. Thank you, the King of Glory. Merci, roi de gloire. In Jesus' mighty name, we are praying. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Let me hear a better amen. Amen. Almighty and everlasting God, we want to thank you for this morning. Dieu puissant éternel, nous te remercions pour ce matin. We thank you, Lord, because you are the Lord. Merci car tu es le Seigneur. And you are the Almighty. Dieu le tout puissant. You declare the end from the beginning. Tu déclares la fin dès le commencement. Father, we are afraid. Père, nous avons prié. That you know our name. Tu connais. You know our past, our present, and our future. Tu connais mon passé, mon avenir, mon and that is why we are asking, oh God. C'est pourquoi te demandons. Any storm that has been placed in the future. Toute tempête qui est prévue dans l'avenir. Any challenges that is in the future. Tout défi qui nous attend dans l'avenir. That we want to take us away from your presence. Veux nous éloigner de ta présence. Father, please let us fly over it. Père, que nous puissions voler au-dessus. Give us strength to fly over it. Donne-nous la force de voler. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Any challenges? Tout défi, be it in our career, que ce soit dans notre carrière, in our marriage, dans notre mariage, with our children, avec nos enfants, or anything at all, n'importe quoi, that will remove us from your presence. Qui va nous éloigner de ta présence. Ah, Father, Père. Give us strength to fly over. Donne-nous la force de voler par in the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. As we rejoice in your presence. Pendant today, que nous nous réjouissons dans ta présence aujourd'hui. Glorify your name. Glorifie ton nom. In Jesus' mighty name we are praying. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Let me hear it. Let's amen. 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 Let your amen sound like thunder. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Father. Merci, la Père. Let's clap for Jesus for the fire and water. Come and see us. What the Lord has done.
Quand une femme est enceinte, goes for delivery, elle part à la maternité, elle accouche simplement, and the child are doing well. Et que la maman et son bébé se portent bien, it's a miracle. C'est un miracle. It's something we have to continue to thank God for. Nous devons continuer à remercier Dieu pour cela. C'est un grand miracle. Actually, when you see the children growing, particulièrement quand vous voyez les enfants grandir, they will crawl, vont ramper, they will walk, vont marcher, they will come and knock at my office. Et ils viendront maintenant frapper à mon bureau. It's a miracle. C'est un miracle. And you see them grow, they grow. Vous les voyez comment grandir. They go to school. Ils vont à l'école. In our midst here, au milieu de nous, they struggle. Ils ont des problèmes. They succeed. Ils réussissent. Then we start wedding them. Et alors on va célébrer leur mariage. C'est pourquoi j'ai dit, mais peut-être c'est pourquoi Dieu nous donne une grande église. So space for everybody. Alors il y aura beaucoup d'espace pour tout le monde. Let somebody shout hallelujah. I love children. Vous savez, j'aime les enfants. They are blessing to the family. Ils sont une bénédiction pour la famille. They are blessing to the church. Ils sont une bénédiction pour l'église. Those of you that don't want to have more, to pour vous qui ne voulez pas avoir more, beaucoup d'enfants, because there will be more baby dedication. Il y aura beaucoup de consécration de bébés. So Michael has been brought before the Lord. Alors Michael a été apporté devant le Seigneur. And we give glory to God. Et nous rendons gloire à Dieu. Give glory to God for that. Rendez gloire à Dieu. For those that are watching us online, pour ceux qui nous suivent en ligne, or people that have not witnessed this before, ou pour les gens qui n'ont jamais vécu ça avant, some people are laughing tonight. Certains continuent à rire. They receive a miracle in Jesus' name. Ils vont recevoir un miracle au nom de Jésus. For laughing like Sarah, they have received more. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Hallelujah. The child just bring your gates and come and give you. Les enfants veulent juste vous amener les cadeaux. The gate will come with the gate. Il viendra avec la porte. The barrier will bring it. Avec la barrière, il va l'amener pour vous donner. Amen. Now, when the days of the purification according to the law of Moses were completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord, and that's Jesus. Il s'agit de Jésus. And by the grace of God, the parents of Michael, Jason, Sammy, Chicken Maker, brought him to the Lord today. Donc, par la grâce de Dieu, les parents ont amené le bébé à l'église, ils ont suivi les noms. And because they have decided to do this, et parce qu'ils ont décidé de faire, the altar of the Lord would watch over this baby. L'autel du Seigneur veillera. The resources that they need to bring up this baby in the fear of the Lord will grant. Les ressources nécessaires pour élever cet enfant dans la crainte de Dieu, le Seigneur va pouvoir. This baby will be a blessing to them. Ce bébé sera une bénédiction pour eux. It will be a blessing to the church. Il sera une bénédiction pour l'Église. It will be a blessing to this nation. Il sera une bénédiction pour cette nation. This
maybe we excel in everything that we do. Va exceller dans tout in the mighty name of Jesus. Pour l'homme puissant de Jésus. Let us pray. Prions. Almighty and everlasting God, we want to thank you. Dieu puissant éternel, nous te remercions. For Michael. Oh, Michael. Today, the family have decided to present him to the to you. Aujourd'hui, la famille a décidé de le présenter à toi. From today, this is your child. Désormais, il est ton enfant. Father, please watch over him. Praise you. Father, I plead the blood of Jesus upon him. Je le couvre du sang de Jésus. Let his forehead be stronger than that of his enemy. Que son front soit plus fort que celui de l'ennemi. In this country, Father, dans ce pays, Père, you will establish it. Tu vas l'affermir. You will guide him. Amen. The wisdom that the parents will need, the resources they will need, la sagesse et les ressources dont les parents to bring up Michael in the fear of the Lord, pour élever Michael dans la crainte de you Seigneur. Will grant unto them. Amen. And Father, today we dedicate Michael. Aujourd'hui, nous consacrons Michael. In the name of the Father, au nom du Père, of the Son, au nom du Fils, and of the Holy Spirit, au nom du Saint-Esprit. Father, use Michael to your glory in this land. Utilise Michael pour ta gloire dans ce pays. Make him among the leaders in this land. Qu'il soit parmi les leaders de ce pays. Let him speak at the gate. Qu'il parle à la porte. Thank you, the King of Glory. Merci, le roi des gloires. In Jesus' mighty name, we are praying. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Let me hear a better amen. 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 Acclamons Jésus. Amen. Amen.